Mesdames et messieurs, salut. C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro. Nos sincères condoléances à la famille théâtrale et à tous les Congolais. Comme vous le savez très bien, nous avons perdu une légende en la personne de notre comédien, acteur et comédien, au nom de Gianni Fay, qui nous a quittés il y a de cela deux ou trois jours. Une situation qui fait très mal, qui fait très mal. Mais vous savez, dans la vie, nous devons apprendre à être sérieux. Nous devons apprendre à être sérieux. Pourquoi je dis cela? Parce que j'ai essayé de beaucoup réfléchir avant de faire cette émission. On peut beau dire, on peut tout dire, mais dans la vie, chacun de nous a sa part de responsabilité. Il y a des moments où tu dois apprendre à prendre des décisions, si je peux le dire comme ça. Il y a des moments où une personne doit décider sur sa propre vie, quelles que soient les situations que tu peux traverser, quelles que soient les circonstances dans lesquelles que tu peux te retrouver. Mais à un moment donné, la conscience humaine doit travailler. La conscience humaine doit fonctionner. Au Vandi Penza Olubi, non. En tant qu'homme, en tant que femme, je ne peux pas accepter ce genre d'humiliation. En tant qu'homme, je ne peux pas aussi accepter, je ne peux pas tolérer d'être rabaissé à ce niveau. Tu te décides, quel que soit, je ne sais pas. En tout cas, tu prends la décision sur ta vie et tu avances. Gianni Fay a couffé dans ma condition, mon quoi, ma bé. On les raconte, on les dit partout. Et la plupart des gens condamnent la femme avec qui ils vivaient dans la maison, la brune que vous connaissez très bien. Mais quand vous réfléchissez, moi personnellement, quand j'ai réfléchi sur cette affaire, je me suis dit quelque part, la brune avait raison. Avait raison pourquoi? Parce que vous allez suivre une vidéo, le propos de Gianni Fay est lui-même. Ok? Le propos que Gianni Fay lui-même tenait, pendant qu'il était déjà en couple avec la brune. Alors je pense qu'à la place d'une femme, on est humain, on a tous un cœur, personne n'a un cœur à la place du cœur. Suivez d'abord cette interview que Gianni Fay a eu accordée à notre confrère Popol Mukelenge, à Paris bien sûr, et on se retrouve tout juste après pour continuer, pour décortiquer, pour entrer maintenant en profondeur de notre émission. Suivez cette interview et on se retrouve tout juste après. Voilà, merci. Batakin Sasa, n'a pas trouvé comment l'internet, parce que comment, 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 boyeba, bien, c'est moi, Gianni Fay, leader, franco et comédien congolais. L'homme de la bonga dans le bas. Nassan Alien Samusapi, le célèbre journaliste Adi Londele, et Popol Mukelenge Botala. Au moins, il me s'appelle Nassan Alliance, pour les alliances. Alliance Oyo, Nabala, okay. Na Kinshasa, okay. Na Prototé, okay. Na Kinshasa, ah. Na commune limité, et ma femme, elle s'appelle Sylvie Fay. Moi, on a beaucoup fait mon travail, pour permettre la Sergei Yewana Sylvie Fay. Mais moi, si on a Nabala, na Kinshasa, na commune, comme oh, elle a tant à pétoyer, na commune limité, elle s'appelle Sylvie Fay. Ok. Na commune limité, ça va bien. Comme on a eu Sylvie Fay, oh, elle a tant à le péter, oh. Aza Mouswahili, atanga na ye se kisangani, asisi baklasi na ye, non aza na donc finaliste, na bengi nani, na lo baza nani, atanga na kisangani, na soba bien atanga na kisangani, ye se kisangani. Donc Sylvie Fay, c'est ma femme, onga na tika na kisasa. Bokabona te. Tous, bon alliance au Bokabona, Bokabona ti mouno koufa. Mais balobi, ah, okota li balé pa mouton sous, ma tamango. Ngaï? Donc, nous n'avons pas de temps. Nous n'avons pas de temps. Nous n'avons pas de temps. Nana bana ki sasa. Okay. Moi ça comme Sylvie Fay. Na bana mairie ya limité. Bon sugo ya bana. Popol
yona benga vous en laissez passer. Oui, en France, pas en Nazara. Vous en Londres, moi en France. Qui ça s'appelle au Kenango? Kenango Tuna. Nous avons besoin de numéro de madame. Maman est bana. Sylvie. Sylvie Faye. Maman est bana et belé. Moutema mounene. Aza mouswahili. Yapembe. Yapembe. Non, mais yapembe, il y a un logo tonné. Abotama pembe. Tiakouva pembe. Grand prêtre mère. Yewana. Maman est bana. Maman est bana et belé. N'allo banine. Donc ce que Maramounios Oyo Bazoloba Isaël Okuta, c'est quoi Awa comme Maman Sylvie, Azana Kin, non? Oui, Azana Kin. Ah, on est la brine. Voilà, fidèles internautes de Mireille Mamba Télévision, salut, vous venez là de suivre l'interview de notre pauvre, comme on peut, si on peut l'appeler ainsi, hein, parce qu'il ne fait plus partie de notre Gianni Fay. L'interview qu'il avait réalisée, qu'il avait accordée à notre confrère Popol Mukelenge depuis Paris. Vous suivez dans les propos de Gianni Fay, il a bel et bien souligné qu'il est marié au pays en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Il a même donné le nom de son épouse, Sylvie Fay. Il a même précisé que si aujourd'hui il mourait Ndenga Koufi Boye, la personne qu'on doit reconnaître officiellement, la personne qui doit être au chevet du lit, Namutua Mbetu, Namutua Cercueil Naye, c'est bien Madame Sylvie Fay. Parce que, pourquoi? Parce que c'est elle que Gianni Fay a eu à épouser légalement. Bien aimé, vous savez, dès le début, je vous avais dit une chose. Dans la vie, nous devons apprendre à être sérieux. Vous savez, dans cette affaire, j'ai comme l'impression que notre artiste Gianni Fay a eu à mener sa vie dans la comédie. Donc la vie de la comédie qu'il faisait, il a eu à amener cette vie-là dans sa réelle vie, dans sa vie normale. D'abord, vous savez une chose, Gianni Fay a épousé Sylvie pendant qu'il était avec Mao. Contrairement à Obatubarokio Zalabaso Luba, Gianni Fay était avec Mao. Atiki Mao Akeba la Sylvie. Alelisa ki Mao, tous à la base humain. Vous savez, il y a des histoires, des fois dans la vie, quand tu vois qu'il y a certaines situations qui ne marchent plus, essaye de faire ce qu'on appelle la rétrospective de ta vie. Talana nous place au outil. Combien de filles, combien de personnes tu as eu à briser leur cœur? Combien de filles tu as eu à faire couler le larme? Aie le temps de réfléchir. Aie le temps de faire ce qu'on appelle l'examen de conscience. Ça va beaucoup aider. Gianni Fay a épousé Sylvie pendant qu'ils étaient ensemble avec Mao. Mao a beaucoup supporté Gianni. Gianni avec Mao. Bazalaï pour vendre dans la famille avec Mao. Vous savez, souvent, quand les filles aiment, les filles peuvent imposer, elles peuvent s'imposer en disant que Mobali Nae, Likangu Nae, Aya, si le monsieur n'a pas de situation, Aya, comme on vend des panabam. Gianni Akepoto. Vous avez eu à suivre des humiliations au Mao Azwa. Il arrivait deux fois, Mao, sur le plateau de télévision, s'est présenté comme moi, si y a Gianni. Il y avait des gens qui appelaient pour l'humilier. Koulobane qui était, ce n'est pas toi, la femme c'est Sylvie. On ne sait plus entrer dans les détails. Voilà. Gloire à Dieu, Mao a eu à refaire sa vie autrement. Sylvie a tika la kaka, na kishasa, azose la Gianni. Gianni a époto, dans la condition à Yelaki. Sorry. Gianni a rencontré la brune. Bah, comme on vend ensemble, ils ont commencé à cohabiter. Émission au Gianni à Salina Popol. Il a fait cette émission tout en étant déjà avec la brune. Ok. Et dans cette émission, vous avez suivi, Gianni a bel et bien précisé. Ah, on a poto ici en Europe. Si je drague une femme, ça ne serait que du mensonge. Moi, ma femme est restée au pays. Elle s'appelle Sylvie Fay. Si je drague une femme ici, si je dis à une femme ici que je l'aime, Ezalokuta.
Soyons des humains. Il a dit ça tout en étant avec la brune. Et vous voulez à ce que la brune abète à ma propos à Nakara qu'elle accepte seulement et repère sa Djani Mukanda. Attends, ça, la mota. Ah oui, ça, je vous l'ai dit. Parce que les gens ont toujours tendance à parler. Elle a fait ça au père de ses enfants. Mais quand le père de ses enfants tenait ce genre de propos, le père de ses enfants ne s'était pas rendu compte qu'il est déjà en couple avec une autre femme. Que tant ou moins, Suana, tant ou Koyoka, ce genre de propos, comment est-ce qu'elle va se sentir? Quelque part, la brune s'est sentie humiliée aussi. Il faut qu'on se le dise. Dans cette histoire, chacun a sa part de responsabilité. Ils ont eu le premier enfant avec la brune. La brune est tombée enceinte. Masolo et Salamindenge Salamaka, Djani Yawa, Apesi Bambongo, il paraît. Que Djani Apesa Bambongo, pour la déclaration, je me demande, Bambongo, moi, Apesa qui a Zwa qui a Mowapi. Là, c'est ce que les gens racontent, que c'est lui qui a eu à payer. Alors il devrait maintenant pas botter moi Naomi Balé, sorry pour hier à Zwamukanda. Banda va botter moi Naomi Balé, la brune a pensé que comme candidate. Ils ont eu des problèmes, la brune lui a chassé de la maison, il lui a mis dehors. Djani a appelé son confrère, son ami, Apo Firenze, le parfum des bonnes odeurs. Apo Aye, Azui Djani. Djani a commencé à louer une chambre. Il est resté après quelques temps. Il a décidé de lui-même de revenir à la maison. Parce qu'il a réalisé que pour Zalalibanda, dans un hôtel Kofuta, Moussala Mouropé à Malonga, il n'avait pas encore vraiment du boulot. Ok? Vous savez, en Europe, quand vous avez des enfants, la femme a des privilèges, a des priorités. S'il vous plaît. Vous savez. Et surtout que quand la femme est. C'est une femme seule, il y a toujours des avantages. Donc notre frère a décidé de retourner à la maison. Mais les jours qu'il retourne à la maison, il trouve son épouse en train de s'échanger avec une autre femme. Pas en train de s'échanger, en train de se chamailler avec une autre femme. Et lorsqu'il va chercher à comprendre c'est quoi le but de cette affaire, il va apprendre que son épouse entretient son épouse. On l'appelle épouse parce que Bazaginda Kumoko bien Kabala qui était, voilà. Abala qui officiellement était, ils cohabitaient ensemble et ils ont eu à avoir des enfants. Donc la mère de ses enfants, la brune, avait déjà une relation avec un autre monsieur qui vit en face dans l'immeuble Nabamou. Bon, il y a une photo de Tsewana et de Djani, la brune, avec le monsieur là. Il y a un monsieur qui a été voilà. Il y a la brune qui a été bimanaye. Alors la femme est venue faire des histoires à la brune. Nandako la brune, il y a na Djani. Malgré ça, Djani a melika angenge. Avant d'y aller à Nandako. Djani a commencé à vivre l'enfer. Yamo Yokina Lobby, juste au début de mon émission, je dis dans la vie, il faut savoir faire la part des choses. Il faut que vous ayez une décision. Ce qui est simité, bati kaka. Djani a tapé 10 bonnes années. Na poto. Mukanda mukandate, mais abotina moi sur un abana mi balé. Mukanda mukandate, moussala malonga, moussala malongate. J'ai suivi une interview à Mama Bananae Mao en novembre ou décembre. Ne Djani a eko sali la Mao moi transfert à Tindeli Mwana. Moi na mobali au bazana o ya tikala parce que ils avaient eu deux enfants mon kwa kufi. Ne Djani a tindi $50 après 10 ans. Donc il n'avait pas de situation. Pourquoi koya ko mikufi sa belo kwa nyama ya Djani? Why? Djani vivait le calvaire dans sa maison jusqu'au point où la brune faisait appel na makangu na ewana makangu ango ba botina ye
La brune tout en étant avec Gianni, bazoigne moi ma tata loko à moi ma tata ka nezalaka. La brune a joué zemi ya mobali mususu. Aboti na mobali wana. Gianni s'occupe ko souka, s'occupe ko zanga ka place à Rovanda. Il a préféré retourner dans cette boue, dans la saleté avec la brune, qui avait déjà couché et eu un enfant avec un autre monsieur. Ils ont commencé à vivre dans cette maison-là. Les messieurs venaient encore rendre visite à son enfant, tout en sachant que la brune vit avec Gianni dans cette maison. Si les messieurs arrivent, Gianni doit aller s'enfermer dans la chambre avec les enfants. Le gars va revendre dans la barre comme un amoureux là dans son salon. Va vendre au sakanana moi nanae na la brune. Va vendre dans la barre à l'aise jusqu'à ce que le monsieur va décider de partir à Kei. Nous sommes à Gianni à zo encaissé. Pourquoi ne pas carrément prendre la décision de quitter? Pourquoi ne pas carrément prendre la décision ya rozonga ta Congo que au vivre ba torture ya boye. Et là que bomi Gianni za ba choc. Azo encaissé ma torture morale. Le cœur était tout le temps blessé. Au balobaraké, quand vous rencontrez une mauvaise femme, liwana weza musikate. Donc Gianni mourait à petit feu. Akufara mukie mukie, akufara mukie mukie mute mesokaka mukie 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 nandenge oye ko sala misalani. Pourquoi ne pas prendre la décision de mettre fin à cette relation comme un homme responsable? 45 ou 47 ans, Azoyo Kakakoufi Nangouana. Mais c'est un grand monsieur. Peut-être que s'il avait retourné au pays, Alingara Koufa n'a pas de condition haute. Et chose grave, la brune a eu à faire appel au père de son enfant, Makangu na yo ba koma na yo bali na yo wana. Donc la brune vivait maintenant avec Mibali Mibali. Le père de son enfant est Gianni. Hey! Non, 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 non. Il y a des femmes congolaises au baba grand signataire, va signata. Donc la brune vivait maintenant avec deux messieurs et Gianni n'avait pas le droit d'ouvrir sa bouche pour s'imposer, pour lui poser des questions ou pour parler. Donc c'est elle qui dirigeait. Si elle décide aujourd'hui d'aller passer la nuit dehors chez son amant, elle part. Gianni n'avait même pas un mot à lui dire. Le monsieur là, son amant, a eu à célébrer son anniversaire chez eux à la maison. Nanda kuo Gianni na la brune bazala ki ofanda. Mobali wana yaki ko célébrer anniversaire na yena ndaku na bango. Et pendant que le monsieur célébrait son anniversaire, Gianni s'était enfermé dans la chambre. Tala niveau ya choc. Tala niveau ya humiliation. Et le jour où Gianni est décédé seul à la maison. La femme a découché, la femme est allée passer la nuit chez son amant, le père de son enfant, qu'il a eu tout en étant avec Gianni. Azwa ki na bana ke na bango et pas makangu wana. Gianni atikali nande nitoyi. Elle, quand elle est revenue, akutika mobali na se akweyi. Abengi batundenga benga ki ba memi Gianni, il était déjà mort. Donc Gianni atikali akufi nandaku, akufi ba souci. Gianni akufi torture morale. Donc il était torturé moralement par la brune. Et la brune faisait tout cela, pourquoi? Parce qu'elle savait que si elle accepte Yaropé sa Gianni Mukanda, Gianni va lui quitter. Alandara déjà vidéo, Gianni a dit que awa na poto son azui na moi si, ça serait seulement du mensonge. Ma femme à moi, elle est restée au Congo, Sylvie Faye. Donc quelque part la brune se disait, ça ne vaut pas la peine, ça n'a aucune importance que je lui donne du papier. Elle a bloqué ma réseau Nyonso. Elle a bloqué toutes les entrées qui pouvaient permettre à Gianni à son Mukanda. Partout où Gianni partait, toutes les démarches que notre Gianni faisait, ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que la brune ne voulait pas. La brune savait que si elle lui donne du papier, Gianni a aussi mis ses touches à rejoindre la Sylvie, soit à redéclarer Sylvie Naé. Parce qu'il l'avait déjà dit. Et la Sylvie en question jusqu'aujourd'hui. Azo mobali msuta zelaka Gianni nae.
Malheureusement, ceux qui partent aux occasions, au monde, ils ont un cercueil. Ceux qui sont bien, ils ont un Congo. Ceux qui sont bien, ils ont un on ne sait pas encore. Mais ça fait très mal. Pourtant, les gens qui ont un peu de mal, ils ont un peu de mal. Du color que nous avons au Canada. Babylon, nous voyons ça même ici où nous vivons, en Afrique du Sud. Nos frères congolais abandonnent leurs femmes, leurs épouses qui sont nos sœurs congolaises. Avec les enfants, ils vont chez une sud-africaine pour nous rejoindre à Haïti. Banda pa kenda kuna abota na robota, moi na moko, mi balé mi sato. Azoa ta Haïti sud-africaine en route. Pour la sud-africaine, on peut d'abord fongo la misu. Elles savent déjà que la plupart des étrangers, balandarabango pour la mukanda, va peut s'en rompre le souper. Ba loi pe yamboko aussi échangea. Tu verras un monsieur qui était bien avec sa femme, là où on te considérait, là où on te prenait comme un petit roi. Tu sors, tu reviens à minuit, à 2h du matin, la femme se donne la peine de se réveiller pour te faire à manger. Comme quoi, mon bali n'a rien à foufou à pioté. Azola melo foufou à moto avec amour. On sait faire la lessive pour toi, on sait repasser les habits pour toi, on les range très bien dans l'armoire. Yo yebika kozwa kolata. Mais tu vas te retrouver maintenant dans une relation Likoloa Kolanda Haïti parce que tous tes amis sont mariés, tous tes amis ont des maîtresses, tous tes amis ont eu des enfants avec des Sud-Africaines. Tu te retrouves maintenant dans une situation où okoma rolien abamalewa. Parce que les femmes sud-africaines bas ont la difficulté au lamba. Bas à l'arabe spécialiste, il y a KFC, hamburger. Ma panaena ma qui a sali à Meli Junaya Lali. La plupart de nos hommes qui sont mariés à des sud-africaines, que d'abord sud-africaines, bagnon comme arabe, surtout dans ma rambarolia. La femme sud-africaine a du mal à vendre à la série télévisée. Na e. Yo, oye, a kata série n'est pas que nous servir yo pour lire. Non. Yo, nous te vendons qu'une homme au condi, bas soit pour le quoi un roi. Vous voyez comment les hommes mettent. Bah, mon moro, il. Je ne sais pas, en tout cas, je ne sais vraiment pas quel terme employer. Au tiers-vie, non, on n'a pas si. Il y a Djania Miboni, si il y a Moko. Parce qu'il pouvait décider. Dans la vie, il faut savoir prendre des décisions. Ce qui est simité, bati kaka. Il pouvait bien se décider. A zongi ata Congo, a zongi mobimba. Qui a vivre la torture, il a tué une femme dans la maison. La femme là va coucher avec un autre monsieur jusqu'à tomber enceinte, avoir un enfant. Toi, tu es là, tu le sais. Le monsieur là vient fêter son anniversaire dans votre maison. Quel niveau est la torture? Quel degré est la torture? Dans cette histoire, Gianni, déjà au départ, il était mauvais. La brune aussi a sa part de responsabilité. Elle s'est aussi comportée en une mauvaise femme. Ah oui. Parce que quelque part, il faut tous aller dans mon thème à Kibomoto. Il faut tous aller dans mon thème à Kibomoto. Tu aurais condamné Gianni, tu aurais condamné la brune. Mais Bangonio se mit balé. Bah, ça a une sérieuxté. Gianni au départ n'était pas sérieux. Côté à Outa qui déjà n'a qu'il, Atika qui déjà ma cambezo l'andaye, Atika qui déjà ma choc, Atika qui déjà ma mité ma moussous, ceci est Zoki. Oye pe poto, biloba, interview, y'a rouka ko rassure mouto tiki na poto pour blesser mouto sofandane et nanda. Mais tu attends que mouto sofandane wana peso papier. Toza abatouko. Personne n'a une pierre à la place du cœur. Tu humilies quelqu'un. Tu humilies quelqu'un dans tes propos avec tout ce que tu tenais là comme bah interview pour la kisake. Et tu le dis haut et fort. Ici en Europe, si je rencontre une femme, mais ça n'a pas le coup de temps. Moi, si je pose aux femmes, je suis à l'andi, à l'yoki, à l'yoki. Et tu veux que cette femme-là continue à te faire confiance, elle doit avoir du sable dans la tête. Mes chers amis, prenons la vie du bon côté. Sachons prendre des décisions. Sachons être sérieux. Évitons de nous faire du mal. Tu éviter qu'aux autres qui s'enamitent, mais ce n'est pas bien. Tu peux poser un acte, au l'élisant, tout le monde veut tellement,
que maya misu ya mutuana ne komi ko landa ona zi omo na kalisu bola mute. Les gens oublient vite. Quand les choses ne marchent pas, fais la rétrospective. Ta la place au uso zo ki sa mite ma boni. O leli sa ba na basi boni. O pe sa ba na basi abatu boni ba promesa ma bala. O yo realizate. Tu donnais, tu faisais ces promesses là tout en sachant qu'ozo kosa. Ozo kohabite na mwana mwasi moko na mboka place oza, mais na Congo otika mwana mwasi musu ba makango mama na wa jiraka. Oyebi na oke o na ofanda nae aza eloko na ngaka rasorolela nga bilamba alambela rangai na silisa ba posa na nga nzoto epa nae ta mama au pays a jiraka ba différence ba makango na yo. Et quand cette personne là vient apprendre, peut-être à Rokio la kelao ma bété. Peut-être parce que dans la relation, bana si ba koti, aboro lo ba ma bé, aza papa abana.